arriver chez Jérém. Du coup, on va tout charger dans sa voiture. Et puis, c'est parti pour une petite matinée pêche au bar. Putain, c'est sportif. Bon, donc voilà, on vient d'arriver sur le spot. Donc c'est un spot où il y a relativement de courant. Donc là, pour commencer la pêche, j'ai opté pour un petit swatch shad en 20 grammes. Voilà. Que je vais bien lancer en amont. Voilà. Et ensuite, avec le courant, le leurre va dériver. Je vais commencer par faire des animations en linéaire, tout simplement, pour voir s'ils répondent présent. Et si ce n'est pas le cas, j'irai bien gratter dans le fond pour essayer de déclencher les attaques. Allez, c'est parti. Poisson. Yes. Premier lancé. Par contre, pour la remonter, je vais descendre parce que là il y a relativement de la hauteur. Énorme, premier fish de l'année. Enfin, premier fish. Il n'est pas encore au sec, mais... Première touche, déjà. Ouais, ça va aller, je vais le ramener là, au bord. Ah, vu que c'est le premier, je prends tout. Même 30 cm, ça passe. Ayou. Ouais, c'est un beau poisson qui doit faire 45. Yes. Il est là le premier. Yes. Ah, attention à ne pas tomber dans l'eau. Voilà, premier poisson sur un petit swatch shad en 20 grammes. On va faire les photos puis on va le relâcher. Bon, du coup, on a fait les photos. Le premier de l'année, et puis bon, on va lui rendre sa liberté. Allez, mon gros, yes. Bah voilà, du coup, on vient de relâcher le premier bar. Du coup, on va relancer pour voir si ses congénères sont dans le coin. Donc étant donné que ça a pris en linéaire, on va recommencer. Hein. On va recommencer.
quand même agréable d'être à la pêche là comme ça le matin tôt. Il n'y a pas un bruit. Yes, merci. Voilà un beau petit poisson de 45 au soie de Chad. Ouais, je vais le relâcher comme ça. Allez, calme-toi. Yes. Impeccable. Bien faire attention à pas se casser la gueule parce qu'avec la floraison de l'eau il y a plein de les cailloux ils sont glissants, donc faut faire vraiment très très attention. Du coup on a changé de spot là, on a rencontré des pêcheurs et du coup ils nous ont proposé d'aller pêcher avec eux, donc on comptait pas venir ici du tout avec avec Jérém, mais bon. Donc là pour ici c'est pareil, je vais rester au soie de Chad. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, la floraison de l'eau avec le courant, c'est on a l'impression de pêcher dans une baignoire avec plein de gel douche. Mais bon. Allez, c'est parti. Bon je vous laisse voir l'état du leurre. c'est pas grave. Bon, par contre c'est vraiment très dangereux quoi, les cailloux. C'est vraiment très très glissant quoi. Faut vraiment faire attention. Allez. À ce lancer là je le sens bien. Tu l'as pris comment, Jérém, en linéaire? Bon, du coup, Jérém vient de faire un poisson en linéaire. Du coup, je vais arrêter un petit peu les tractions et je vais pêcher en linéaire, voir comment répondent les barres.
fiche. Oh, je me fais défoncer. Oh, ça doit être un très beau poisson. Tu peux aller chercher ton épuisette ou pas? Ouais, non, ça va le faire sans épuisette. Bah oui, je suis con. Hier, je suis allé faire un petit coup du soir et j'avais l'épuisette. Bah, juste si tu pourras me récupérer le poisson, quoi. Parce que je pense que c'est un beau poisson. Bien régler le frein. Ce serait dommage de casser sur un rush. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir là, entendre le moulin chanter là. Je suis en train de réfléchir à un endroit pour pouvoir venir l'épuiser, enfin l'échouer pardon. Putain, c'est un truc de dingue, il est juste là au bord mais on le voit même pas avec la mousse. Oh là là là, truc de dingue. Oh, c'est un beau poisson, Jérémy. Oh, c'est un très beau poisson. Vas-y, ma poule. Yes! Énorme. Énorme, énorme. Là, il y a une petite merde devant la caméra. Bon, impeccable. On va faire les photos, on va le mesurer. Génial, énorme. Donc, sur un swatchad en 20 grammes. En linéaire, tout simplement, voilà. Yes, fiche. Ah, c'est pas très gros, hein. Mais bon, c'est un poisson. Oh, on les voit même pas arriver. Bon, voilà un bar mousseux. Oh, le truc de dingue. Et regarde, on voit, on le voit même plus. C'est clair. Sans déconner. Bon bah je pense que celui-là il était gourmand, il doit faire 25 cm. Hop là là là, calme-toi. Tu vas retourner dans l'eau, enfin dans la mousse plutôt. C'est vraiment pas évident de voir l'hameçon en plus. Ah, ici, y a pas de sélection. Allez. Yes.
Du coup, je vais vous montrer la nage du Swatched, donc le leurre avec lequel j'ai fait mes poissons aujourd'hui. Bah voilà, du coup, je viens de vous présenter la nage du Swatched pour conclure la vidéo. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime, à mettre un petit commentaire. C'est totalement gratuit, c'est très très encourageant pour moi à continuer les vidéos. Allez, salut les amis.